Qu'est-ce que c'est que ça? Link! Link. Je vous attends. Il est temps de vous éveiller. Vous allez être investi d'une grande mission que vous seul êtes capable de mener à bien. Link. Tu es réveillé? J'ai eu très peur lorsque ton célestrier t'a ramené inconscient. Mais heureusement, tu n'es pas blessé, c'est le plus important. Link et Zelda, elle était avec toi, n'est-ce pas? Qu'est-il arrivé à ma fille? Une tornade noire, cela n'a rien d'un orage normal. Tu es encore faible. Link, parle-moi de Zelda. Avait-elle l'air bizarre? Elle t'a parlé de la Terre, dis-tu? Et toi, tu as fait plusieurs fois le même rêve? Une grande mission? Ce que tu dis me fait penser à quelque chose, mais cela n'a sans doute aucun rapport. Pour en revenir à Zelda, elle est sûrement en sécurité si son célestrier est avec elle. Dans tous les cas, il sera difficile de la chercher de nuit. Dans l'obscurité, nous n'y verrons rien. Link, Zelda va bien. Elle est encore vivante, j'en suis persuadé. Eh bien les amis, je crois que cette fois on peut le dire, on est rentré vraiment dans le vif du sujet. Alors, je vous redis bonjour certainement parce que je vais certainement couper l'épisode en deux. Je voulais m'arrêter juste après la chevauchée céleste pour pas justement démarrer cette partie de l'histoire. Et malheureusement j'avais complètement oublié que ça s'enchaînait comme ça. Du coup je vous aurais sûrement fait un petit suspense pour vous, c'est certainement l'épisode 4. Et wow, alors cette tornade qui embarque Zelda là, c'était assez épique. Sans compter le rêve que Link a encore fait. Tout ça promet de belles choses. Alors, évidemment, ça met l'accent sur la suite de l'histoire, qui du coup devient tout de suite beaucoup plus sombre, avec ce personnage qu'on a vu dans nos rêves, que j'adore, et que, pour ceux qui connaissent le jeu, voilà, je l'adore, je suis vraiment fan de ce personnage. Est-ce qu'on peut prendre récupérer quelque chose? Oui, on a encore des rubis. Ben voilà, écoutez, on n'a pas tout perdu. On a perdu Zelda, mais on a des rubis. Non, je déconne. On va bouger, je pense. Je vérifie bien. Non, non, il y a toujours rien ici. Hein. C'est toujours fermé. Bon, bah, écoutez. Je vais sortir. Je crois que quelque chose va se déclencher. J'en suis pas tout à fait sûr. C'est pour ça que je me traîne un petit peu. Mais vraiment, ce passage... Clairement, ce jeu, comme je le disais, a les meilleures émotions pour moi de tout Zelda confondu, parce que
On a pu le voir, c'était quand même assez extraordinaire sur le visage de Link. Et maintenant, on va pouvoir découvrir ce qui se trame de l'autre côté. Et comme vous pouvez le voir, allez non, t'en vas pas. Ce personnage, c'est celui qu'on a vu en rêve et il est bien particulier. Il va nous apprendre beaucoup plus de choses sur l'histoire. Et du coup, on comprend vaguement ce qu'il veut qu'on fasse là. Il faut qu'on le suive. Mais j'aurais tendance à vouloir explorer, mais non, on va le suivre. On va le suivre et écoutez-moi cette musique qui est tellement belle. Et vous voyez, on voit qu'elle veut nous mener quelque part. On voit qu'elle sait quelque chose sur la situation. Et elle sort de l'école, donc on va la suivre. Et là, wow. Là, c'est plein plein de souvenirs qui remontent. Clairement, vous voyez, pour moi, ce Zelda est le meilleur. N'est pas mon préféré. Mais clairement, regardez-moi cette ambiance de nuit. Clairement, ce Zelda, pour moi, est le meilleur de par son ambiance, ses musiques, son histoire. On ressent tellement de choses que c'est juste incroyable. L'ambiance de nuit, ce personnage, puis les mimiques sur la tête de Link qui sont beaucoup plus présentes par rapport à avant. Voilà, c'est tout bonnement incroyable. Et du coup, on va la suivre. Elle va nous mener dans un endroit très particulier. Re les amis, excusez-moi, je fais une petite ellipse parce que le PVR a fait un petit peu du caca. J'espère que ça ne se sera pas trop vu. Normalement, vous aurez eu une petite saccade, à moins que je réussisse à la couper avant. Bref, on reprend. Et donc j'ai juste descendu le petit muret. Ah. Alors, les petits chats. Bonjour. Oula, ok. Donc, les chats de nuit sont effectivement méchants. Vas-y, barre-toi. Ah, t'as peur de moi d'un seul coup. On le fait ou pas? Pas de pitié. Voilà. Ah, c'est horrible. Je viens quand même de défoncer un chat. Je veux dire, je suis absolument abominable. Vous là, vous voulez pas me filer un petit peu tout ce dont j'aurais. Oula, oh. Voilà. Tout ce dont. Il veut pas prendre. Attendez. Voilà, on le coupe en deux. Vous voyez les spécificités. Pardon, les spécificités. Va-t'en. Voilà, deux gameplay où seulement certains coups passent pour cet ennemi-là. Enfin voilà, c'est tellement plus varié. Ça fait plus RPG, hein, clairement. Un rubis rouge. Bah, écoutez, c'est cool. Comme ça, on va avoir besoin de rubis de toute façon, ça c'est clair. On va remonter en haut, on n'est pas passé du tout par le bon côté. Oh non, il est revenu. Mais on va fuir, je pense. Quoique, attendez, il va nous embêter sinon. Barre-toi. Vas-y, fuis. Voilà, c'est bon. Il se barre, on n'a plus besoin de lui. Hop. Et ici, du coup. Je vous avais dit une bêtise d'ailleurs, il y a moyen d'aller plus vite, vous voyez, en faisant. Voilà. Avec la Wiimote, on peut bondir, c'est comme pour les lianes ou les échelles. Je vous avais dit, ah non, en fait c'est dans Wind Waker, mais non, on peut effectivement le faire ici aussi. C'est bon, on a notre petite trombe, c'est le petit repère. Alors, on la suit, toujours des ennemis. Et j'aime vraiment, je suis vraiment fan de cette musique de nuit. Là, faut sprinter. Cette musique de nuit est tellement, je sais pas, tellement reposante. Puis l'ambiance, tout simplement, on est dans une zone absolument magnifique. Allez, voilà, c'est bon. Bon. Ouf, Link, doucement. J'aimerais éviter de mourir quand même. Il manque un cœur déjà. Bon, on devrait pouvoir se recharger ici. Barrez-vous, nickel. Et le petit cœur qui va bien. Et là, attention, le saut, yeah. Donc c'est un petit parcours de jump qui, je pense, vous l'avez compris, où est-ce que ça va nous mener. Juste que comme c'est de nuit, la porte principale était fermée. Et donc, oui, effectivement, nous arrivons à l'arrière de la statue de la déesse. Et nous suivons toujours le magnifique petit personnage. Et là, la magie des Zelda opère. Boum! Alors non, ce n'est pas le premier temple. Comme je vous avais dit, le premier temple, il sera dans très longtemps. Le début est assez lent, hein, vraiment. Mais vous le voyez, on est au pied de la statue de la déesse. À l'arrière. Et la porte est ouverte. Du coup, ce n'est pas le premier temple. Mais il va y avoir une cinématique très très forte à l'intérieur, les amis. Donc, faites place à la magie. Dans la statue de la déesse, alors c'est une ambiance assez cosy, vous le voyez. Et regardez ce qu'on voit en fond. Incroyable! Elle est là.
Je vous attendais. Nous devions nous rencontrer, car vous avez été choisi par ma créatrice. Faye, tel est le nom qui m'a été donné. Par-delà le temps, depuis un lointain passé, j'ai été créé pour vous. Vous qui êtes destiné à accomplir une grande mission. Link, élu de la créatrice, empoignez cette épée. Des rêves énigmatiques, ma soudaine apparition et votre inquiétude pour votre cher ami. En prenant tous ces facteurs en compte, mon analyse indique que votre réaction à la situation est normale. Je vais vous donner une information. La probabilité que celle-ci influe sur vos émotions est très forte. La personne que vous cherchez, Dame Zelda, est encore en vie. La prêtresse, c'est-à-dire Dame Zelda, a tout comme vous une grande destinée devant elle. Si vous désirez la revoir, il vous faudra prendre cette épée. Cette information a-t-elle modifié votre degré de détermination? Je constate que les mots sont à présent inutiles. Par la volonté de ma créatrice, empoignez cette épée et brandissez-la vers le ciel. Eh oui, ni plus ni moins qu'Excalibur se trouve devant nous. Alors, la première Excalibur étant donné que... C'est... Alors attendez, parce que c'est un peu la galère, se préparer. C'est le tout premier Zelda dans la timeline, mais... Mais vas-y, prends-la, retire-la. Allez, je dois faire ça avec la Wiimote. Voilà, parfait. Et lève-la vers le ciel. Link. C'est un moment épique, t'es en train de le... Ah, voilà. Yeah. C'est bon, tu ne l'as pas gâché. Vous avez obtenu l'épée divine. Une lumière sacrée émane de cette arme mystique. Alors oui, c'est jamais les mêmes noms, hein, mais on a tous compris quelle épée c'était. Et là, particularité encore, on l'a dès le début. Reconnaissance terminée, maître. Mon maître, Link. Link ! C'était donc bien toi, Link. Il était dit qu'un jeune homme apparaîtrait ici, dans la salle de l'épée sacrée. On dit que c'est pour nous, les humains, que la déesse a laissé cette salle. Elle a également laissé un message qui s'est transmis au fil du temps parmi une poignée d'initiés. Quand de l'épée divine, la lumière émanera, alors un grand fléau avec elle renaîtra. Nulle crainte cependant, car par ma main guidée, viendra le fier enfant en cet endroit sacré. C'est beau. Il y a quelques jours, cette épée que je gardais depuis des années s'est mise à briller faiblement. Au début, je n'en ai pas cru mes yeux. Je n'aurais jamais imaginé que de mon vivant, la prophétie deviendrait réalité. Tout est exactement comme dans le message de la déesse. Le guide de l'enfant, hors de l'épée s'élance, juvénile sont ses traits, mais grande est sa sapience. Les messages transmis par les humains manquent de fiabilité. D'importantes informations ont été perdues par rapport aux messages qu'ont reçus vos ancêtres. Élu par la déesse, pour son cœur intrépide, il retire l'épée qui deviendra son guide. Repousser les ténèbres d'un fléau assassin et la quête qui incombe à ce fils du destin. L'âme en main sous la nuée, la prêtresse il rallie, d'une grande lumière la terre il ramène à la vie. La terre! Dans les écrits anciens que possède mon père, il est fait mention d'une terre beaucoup plus vaste que Célestebourg. C'était donc vrai! Maître, pour accomplir la tâche qui vous a confiée la déesse, ma créatrice, et pour retrouver la prêtresse, Dame Zelda, il vous faudra vous rendre dans le monde qui existe par-delà les nuages.
le monde qu'on appelle la Terre. Mais l'accès à la Terre nous a été interdit. Pour y descendre, il faut traverser la mer des nuages. Or, personne n'y est jamais parvenu. Cette stèle vous ouvrira le chemin pour descendre jusqu'à la Terre. Insérez-la dans le piédestal qui se trouve juste derrière moi. Yeah, vous avez obtenu la stèle émeraude. C'est une vieille plaque en pierre très lourde. Maître, utilisez l'éclat céleste sur l'emblème qui se trouve au fond de la salle. L'éclat céleste est le nom de l'énergie qui se concentre dans la lame de l'épée quand vous la levez vers le ciel. Attendez d'en avoir accumulé suffisamment, puis abattez votre lame en direction de l'emblème. Ouh, beaucoup de cinématiques, hein. Bon, eh ben écoutez, on va faire ce qu'elle nous a dit. Sors l'épée. Allez, Link. Voilà, ok, petit ralentissement, c'est pas grave. Lève l'épée, accumule l'énergie et lance-la. Yeah, c'est parfait. Et la stèle apparaît. L'emplacement, tout du moins. Oh oui, avec cette superbe musique. Bon, bah il reste plus qu'à mettre la stèle à l'intérieur. Par contre, la stèle me paraît un peu petite, hein. On dirait qu'il manque certains fragments. Je dis ça. Et du coup, grâce au pouvoir de la stèle... La porte s'ouvre. Maître Link. C'est la barrière de la déesse qui rend impossible la traversée de la mer de nuages. Une partie de cette barrière est maintenant levée et une voie s'est ouverte. Vous êtes à présent mon maître. Je resterai à vos côtés, à l'intérieur de l'épée. Appuyez sur croix lorsque vous souhaitez m'appeler. Link, je ne sais quelle est la nature de ce fléau qui nous menace. Mais il est certain qu'une grande responsabilité pèse sur vos épaules, à toi et à Zelda. Si ce que Faye dit est vrai, Zelda est en vie. Et de son côté, elle doit également faire face à son destin. Link, nul ne sait ce qui t'attend. Tu vas certainement au-devant de grands dangers. Mais si tu peux faire quelque chose pour moi, j'aimerais que tu sauves ma fille, Zelda. Mes espoirs reposent sur toi, Link. Bah, comptez sur moi, évidemment. Vous croyez quoi? Merci, Link. La nuit touche à sa fin. Elle fut longue pour moi, comme pour toi. Link, tes vêtements ne conviennent guère au long voyage qui t'attend. Tu as reçu une tenue en récompense de ta victoire lors de la chevauchée céleste. Elle sera bien plus appropriée. Tu devrais te changer avant de prendre la route. C'est parti, papy. Et là, notre véritable aventure va pouvoir démarrer, les amis. Oui, on va sauvegarder un petit coup. Des fois, la Wiimote me fait des trucs un petit peu chelous. Genre, elle part en bas ou quoi. Allez, c'est bien, les sauvegardes sont tellement rapides. Yeah! On est quand même plus classe comme ça. Voici la tenue des chevaliers de cette année. J'ai eu un doute sur la couleur, la première fois que je l'ai vue. Mais tout bien réfléchi, elle te va étrangement bien. Ouais, t'imagines, attends, elle me va même superbement bien. Au contraire, t'imagines, on aurait pu se prendre la jaune de Kiko dégueulasse là. Non, on est parfait. Va, et fais bien attention à toi. N'oublie pas de passer en ville pour bien te préparer avant de partir. Quant à moi, je vais tâcher de trouver dans les écrits anciens quelque chose qui puisse t'aider. Reviens me voir quand tu veux. En attendant, je prierai la déesse pour qu'il ne vous arrive rien à toi et à Zelda. Eh bien, c'est parti les amis. Ça y est, cette fois-ci, le véritable jeu va pouvoir commencer. On va
tout de suite vérifier si on n'a pas un petit quelque chose. Oh bah non, pour une fois il y a un intéressant là-dedans. Bon, on peut pas avoir des rubis à tous les coups, vous allez me dire. On va tout de suite sortir de là avec notre superbe tenue et on va, comme ils l'ont dit, comme il l'a dit plutôt. Ah, Link, qu'est-ce que tu veux? J'étais en train de parler, tu m'interromps. Cet uniforme vert te va vraiment à merveille. Tu as l'allure d'un vrai chevalier. Monsieur le directeur m'a dit que tu allais partir en voyage à la recherche de Zelda. Ton courage est vraiment extraordinaire. Moi, en comparaison, je ne sais pas faire grand-chose. Oui, bah on avait compris. J'ai quand même fabriqué ça. J'y ai mis tout mon cœur. Prends-le, c'est pour toi. Un cadeau? Oh yeah! Vous avez obtenu la sacoche d'aventurier. C'est un accessoire fort pratique dans lequel vous pouvez ranger les objets utiles à vos aventures. Parfait! C'est une sacoche d'aventurier. Tu peux y ranger 4 objets qui te serviront durant ton voyage. Tu peux acheter tout un tas d'objets au marché couvert. Tu devrais aller y faire un tour. Je te conseille surtout d'acheter un bouclier et des potions. Ça te sera sûrement utile. Link, tu dois retrouver Zelda. Oui, t'inquiète pas. Bon, un bouclier et des potions. C'est bien, je note, monsieur, c'est pas par là. Bon, alors. On va tout de suite, justement, aller au marché couvert. Puisque maintenant, ça devrait être ouvert. Et on va se préparer pour la fin de cet épisode. On va pas démarrer vraiment l'histoire, même si je pense que vous doutez de ce qu'il va falloir qu'on fasse maintenant. Ah, on est quand même plus classe comme ça, hein, je veux dire, il y a pas à dire. Et donc, on a cet emplacement, vous le voyez, on pourra stocker les objets, on peut plus stocker les objets en haut à droite maintenant. Qu'est-ce qu'il a lui à me dire? J'ai entendu dire que tu partais à la recherche de Zelda sous les nuages. Le directeur m'a dit qu'il y avait une terre, là en dessous. Que sais-tu de cette terre? Oh, et voici donc l'épée dont j'ai entendu parler. Mais sans bouclier, ta défense n'est pas assurée. Alors, prends donc celui-ci. Yeah! Vous avez obtenu un bouclier en bois. Constitué de bois léger, il est très facile à manier, mais attention, il brûle et se brise facilement. Bon, très bien. C'est mieux que rien. Le bouclier en bois est léger et facile à utiliser, mais c'est le moins solide d'entre tous, et il est vulnérable au feu. Si jamais il se brise, tu peux en racheter un au marché. Pour équiper ton bouclier, maintiens moins enfoncé et sélectionne-le avec la télécommande, oui. Si tu ne sais pas te servir de ton bouclier, demande des conseils au capitaine des chevaliers qui se trouve à la salle d'escrime. Bon, alors, on va l'équiper tout de suite, et vous le voyez, il y a une barre de durabilité, ça fait partie encore une fois des différences avec les cœurs, avec le sprint, tout ça. On l'équipe, et donc on n'a plus de barre en haut à droite, maintenant. Attendez, comment on s'en sert déjà? Je crois que c'est avec le... Ouais, c'est ça, avec le nunchuck, parfait. Nickel. Bon. On va... Qu'est-ce qu'il y a? Maître, je confirme que la stèle que vous avez placée hier soir dans la statue de la déesse a ouvert un passage vers la terre. Oui, on le voit. Une colonne de lumière est apparue dans le ciel au sud. Mon analyse indique que vous pourrez y traverser les nuages. Si vous allez sur Terre munis uniquement d'une épée, vos chances de survie sont faibles. Si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille d'acheter des potions et un bouclier au marché couvert avant de partir. Autre chose, maître. Si vous êtes désormais à l'aise avec les commandes, vous pouvez changer l'affichage à l'écran. L'option à l'affichage se trouve sur l'écran inventaire. Sélectionnez ce qui vous convient le mieux. Ah, parfait! On va faire ça tout de suite! Alors, non, c'est pas ça. C'est ça, on va tout de suite changer l'affichage. Ah voilà, simple, épuré. Bon, on va mettre en épuré. Ah, c'est quand même beaucoup, beaucoup mieux. Hein. Je crois qu'il n'y a pas à dire. Bon, sinon, ce personnage, Faye, voilà, c'est notre Midona, notre Navy, notre personnage de ce... Notre compagnon, pardon. J'étais en train de regarder. J'étais en train de regarder ce que la maison qui vole. Alors la maison qui vole, ce sera pour plus tard. Hein. Je préfère vous avertir, ce sera pas pour tout de suite. Mais on pourra y rentrer. D'ailleurs, c'est quelqu'un que vous connaissez bien, qu'on retrouvera à l'intérieur. Et on va tester un truc. Go! Yeah, ça marche! Faye est vraiment, voilà, certains la trouvent un peu robotique, la considèrent comme un boulet et tout, mais au plus l'histoire va avancer, au plus vous constaterez qu'elle est méga attachante, et moi j'adore. Je crois que c'est mon compagnon préféré, vraiment, tout dans ce jeu est parfait. Et comme je vous le disais, oui, justement, donc maintenant on n'a plus les 3 petits objets sélectionnables en haut à droite. Maintenant, on peut rentrer, c'est cool. Maintenant, c'est directement via la sacoche, donc ça offre du gameplay encore de manière différente. Alors, le marché couvert, nous y voilà, il y a beaucoup de choses à faire ici. Les amis, je vais vous présenter un petit peu tout ça, puis ça va me faire une petite piqûre de rappel.
Tu es apprenti chevalier, félicitations, mais ne va pas prendre la grosse tête pour autant. S'il y a des choses que tu ne comprends pas, appuie sur 2. Compris, n'oublie jamais ça. Oui, d'accord, très bien. Donc toi, tu dis des choses inutiles, toi. La touche finale, une petite pincée de poivre, impeccable, la grande cuisine. Oui, bon, d'accord, ok. Évidemment, ce n'est pas une boutique. Alors, on va commencer... Ah oui. Je vois, oh misère. Regardez-moi ses yeux. Regardez-moi ses yeux, bordel. Je viens d'avoir une vision catastrophique. Le chemin qui s'offre à toi est semé d'embûches. Mais grâce à mes dons, je peux voir ce qui va devenir de toi et confiance en mes grands yeux ronds et ma douce voix. Je suis là pour t'aider, jeune homme, approche. C'est un fou. Donc lui, il pourra nous aider, nous indiquer les emplacements de pas mal de choses à l'avenir. Ensuite, lui, encore une nouveauté. C'est le forgeron. L'atelier de rénovation, c'est pareil. Il peut améliorer un maximum de nos objets parce qu'en plus de les rénover, voilà, je peux aussi réparer ton bouclier. On peut améliorer les objets. Alors réparer, on n'a pas besoin. On va regarder améliorer. Voici les objets que je peux améliorer. En l'occurrence, il peut améliorer notre bouclier. Parfait. Écoutez, donc on va... Bah alors, pourquoi il veut pas me le prendre? Allô, Link. Ah d'accord, ok, c'était pas la même touche. Bon, donc renfort qui améliore la durabilité du bouclier. Par contre, vous le voyez, on a juste une griffe de monstre. Il va nous falloir de l'ambre et de la gélatibule. Que nous n'avons pas, ça fait un peu RPG pareil, il va falloir qu'on amasse des choses. Du coup là forcément, tu n'as pas les trésors qu'il faut pour améliorer ça. Choisis donc un autre truc à améliorer. Bah non, c'est bon, on n'a plus besoin. Donc voilà, ça fait très RPG. C'est assez sympa, moi j'aime beaucoup. Oh, un coffre. Attends, on va aller voir ce coffre. Qu'est-ce qu'il y a? Maître Link, le coffre que vous voyez là est une relique laissée par la déesse dans les temps anciens pour le héros à venir. Bah c'est pour moi. Toutefois, j'ignore comment l'ouvrir, je n'ai pas suffisamment d'informations à ce sujet. Ah bah bravo! Et avec un éclat céleste, ça marcherait pas. Mais je peux pas sortir mon épée ici, super, bon c'est pas grave. Ici c'est un peu la banque, si je dis plus de bêtises, c'est... Regardez-moi sa tête. C'est la consigne, ouais voilà, c'est ça, c'est la consigne. Tu peux me laisser des objets dont tu ne te sers pas à venir les reprendre quand tu veux. Donc c'est pratique, parce que comme je vous ai dit, maintenant on a une sacoche. On n'a pas juste un inventaire comme avant dans les anciens Zelda, on a une sacoche et quand elle est pleine on pourra pas mettre d'autres objets. Donc on pourra les stocker ici, on pourra même les vendre si on veut, bon voilà, on va pas non plus les vendre. Mais regardez, par exemple on peut prendre le bouclier qui est ici et l'amener, c'est toujours sympa de faire ça là où il monte, on peut l'amener là-dedans. Donc ça c'est pratique, vous vous en doutez, la sacoche on pourra la rendre plus grande plus tard. Mais du coup va falloir apprendre à être économe, à switcher entre les bons objets aussi au combat. Ça promet des choses assez riches. Alors lui c'est le vendeur de bombes et compagnie. Approche, ne sois pas si timide. Je refais un peu pour moi aussi. Hein. Et il a une tête, s'il vous plaît. C'est l'armurerie. Prends tout ton temps pour regarder mes superbes articles et fais-moi signe si quelque chose t'intéresse. C'est la boutique favorite de tous les chevaliers. Et n'hésite pas, si tu as la moindre question, je suis là pour toi. Ok. Très bien. Je vais donc tout expliquer de A à Z, absolument tout. Si tu veux bien, mets-toi en face d'un objet. Tu pourras le contempler à loisir. Bon. Et on peut acheter tous les articles. Parfait. Ok, bah écoute, moi j'ai un bouclier, je voudrais bien tes bombes, par exemple. Je dis pas non. Toutes mes excuses, platé sincère, mais je ne peux pas vendre de bombes à qui n'a pas de sac. Bon, bah alors des flèches, mais j'ai pas d'arc, si tu vas me dire pareil. Eh bah oui, tu n'as pas de flèches, tu n'as pas d'arc, très bien. Et ça, des graines. Tu n'as pas de lance-pierre. Ah, mais on peut rien t'acheter pour le moment, mon gars. Oh là là, on peut rien lui acheter du tout. Bon, ben on l'oublie. Tant pis. Hein, j'aimerais bien racheter des flèches. Et après, évidemment, vu l'étalage, là, je pense qu'il y aura d'autres choses. Alors, elle veut me parler. Elle a les trois petits points au-dessus de la tête. Ça veut dire qu'ils veulent nous parler en général. Et c'est la vendeuse de potions, en plus. C'est parfait. Bienvenue à la boutique de potions. Mes breuvages te seront très utiles en cas de complications au combat. Ah. Tu es un de ces chevaliers, non? Ah, tu es encore à l'école. Crois-moi, tu auras grand besoin de mes potions. Alors, ne repars pas les mains vides. Dis-moi, est-ce que tu as un flacon vide? Tu peux seulement acheter mes potions si tu possèdes des flacons vides. Allez, comme je t'aime bien, je t'en offre un cadeau. Ah, c'est gentil ça. Tu peux mettre un tas de choses différentes dans un flacon, c'est très pratique. Tu verras, tu pourras plus t'en passer. Ah bah écoutez, voilà. Notre premier flacon du jeu. On dit pas non, hein, flacon vide, parfait. Les flacons vides sont rangés dans ta sacoche d'aventurier. Appuie sur moi pour en choisir un. Oui, on va faire ça. Si ta sacoche d'aventurier est pleine, tu peux aller arranger les objets à la consigne. Oui, bah ça va, on vient d'y aller. Je crois qu'on a compris. Alors, on va... tout de suite déjà voir les potions que tu as. C'est quoi cette potion? Exceptionnel, empêchera ta jauge d'endurance de baisser, mais elle n'est pas encore tout à fait au point. Ah, c'est bien ça. Bon, par contre, on pourra pas s'en servir tout de suite.
La potion rouge, j'imagine, c'est la potion de vie. Potion de soin, elle permet de remplir. Tu vas en acheter, c'est 20 rubis. Allez, on prend ça. Il faut se préparer de toute façon. 20 rubis encore, c'est pas très cher, c'est honnête. Parfait, vous avez obtenu une potion de soin. Vous récupérez 8 cœurs. Ah bah c'est pas mal. Si tu veux une potion plus performante, va voir mon mari à côté. Il pourra sûrement faire quelque chose pour toi. Parfait. Bah écoutez, c'est nickel. On va quand même avoir des autres potions. Celle-là, c'est quoi? Encore en cours de préparation, elle est pas prête. Ok, en gros, il n'y a rien qui est prêt à part la potion de vie, quoi, si j'ai bien compris. Ça, c'est quoi? Marmite contient de la polypotion. Si tu l'appliques sur un bouclier endommagé, celui-ci sera à nouveau comme neuf. Ah, et ça rend 4 cœurs. Mais c'est parfait. Ça ne coûte que 30 rubis. Ouais, non, mais pour le moment, il est pas endommagé, donc pas la peine. Et cette potion-là, de la protectine, limite les dommages physiques pendant un certain temps. Parfait, bon. Donc vous voyez, il y a pas mal de potions aussi, et faudra... Ouais, 200 rubis, va te faire voir, c'est pas la peine. Faudra apprendre à... Lorsqu'on aura divers flacons, à prendre les meilleures potions pour bien s'organiser. Alors, bienvenue à la boutique de potions, nous vendons les meilleures du marché. Est-ce que tu peux m'améliorer ma potion, mon gars? Oui, je veux bien, si tu veux que j'améliore, oui. Une potion, vas-y, améliore ma potion. Voyons ce que je peux faire pour toi. Ah ouais, mais attendez, est-ce qu'il faut pas... Ah si, regardez, il me faut des insectes. C'est comme pour le... C'est comme pour l'atelier de rénovation. C'est pas gratuit. C'est bien parce que maintenant, vous voyez, on n'a plus juste besoin des rubis comme avant. Maintenant, ça coûte aussi d'autres trucs. Et bon, on va pas l'améliorer puisque de toute façon, pour le moment, ça rend 8 coeurs et on en a que 6. Donc ça sert à rien, j'ai envie de dire. C'est toi qui décides, n'hésite pas à revenir enfin si t'en as envie. Bien. Donc, on va s'équiper de cette potion, vous voyez, et... Comme je vous disais, il n'y a plus de barre en haut à droite. Maintenant, voilà, on la range et ensuite, si on veut la resélectionner, eh bien, il faudra retourner dans la sacoche pour la prendre. Et il faudra sélectionner les objets qu'on aura à ce moment-là. Bref, sur ce, les amis, on va, je pense, s'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que bah, l'épisode aura été bien long. Moi, ça aurait fait un épisode d'une heure en tout, parce que j'aurais coupé l'épisode en deux. Ça aurait été un épisode... fort et riche en cinématiques. Peut-être que la prochaine fois on explorera encore un tout petit peu le village, voir si j'ai pas zappé des trucs, notamment peut-être trouver le filet pour attraper les papillons. Mais je crois que le filet, en fait, on l'a, je crois savoir où on l'a. Je vais sauvegarder déjà. Eh non, voilà, je vais sauvegarder. Je crois que le filet, en fait, on l'a dans la maison volante, mais la maison volante, je peux pas y aller tout de suite parce que la maison volante, il y a là, attendez, est-ce qu'on peut la revoir? Vous voyez, elle arrive et il y a la... Attendez, je vais essayer. Je vais... Bon, attendez. Je voulais monter par en haut, mais on va passer par là. Vous voyez, il y a la cloche. Vous la voyez, la cloche qui passe. Et du coup, attendez, regardez, voilà, cette cloche-là. Et du coup, faudra monter là-dedans pour avoir le filet, enfin, je crois. Donc, faudra qu'on pense à faire ça. Sur ce, je vous laisse. Ça fait une heure que je tourne, j'ai envie de me poser. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo de Zelda Skyward Sword. Et on se retrouve très bientôt pour la prochaine. Allez, bye tout le monde.